Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale, on va ouvrir des coffres, et puis après on va attaquer, et après on rouvrira un coffre, ok? Voilà, donc vous voyez à peu près programme, tout ça. Voilà, donc du coup on va commencer par ouvrir un coffre gratuit. C'est gratuit, donc on en profite. Donc, un coffre de 45 pièces, donc c'est plutôt pas mal. 4 archers, ça va, ça fait plaisir, franchement. Bon, ça par contre, voilà, comme d'hab, hein, ça dégage. Oh putain! T'aurais pu m'en donner une nouvelle, mais wouh, quand même. Ah ouais, encore une épique. Putain, j'adore, hein. Putain. Alors, j'ai une roquette de merde, alors par contre, j'ai une épique derrière, ça fait plaisir, hein. Oh, j'ai failli la louper, hein. Tout! Putain, c'est bon, ça. En plus, un ballon, ça fait plaisir. Bon, j'aurais bien voulu avoir un squelette géant, mais bon, malheureusement, voilà, quoi, c'est pas possible. Regarde, putain, il manque ça, quoi. Et puis après, chut, je pourrais faire un bon deck avec. Enfin bon, c'est pas très grave. Du coup, bah, même peut-être aussi le PK, pourquoi pas? Je sais pas. Ouais, c'est parti, on va ouvrir le deuxième coffre gratuit. Donc, 40, 42 d'or. Un squelette, ouais, bah pourquoi pas, un petit à petit. 5 gobelins à lance, c'est pas mal. Et puis c'est tout? D'accord, ok, bah, va te faire enculer. Hop, on va prendre un coffre d'argent, peut-être qu'on aura plus de chance. Donc 46 d'or déjà. 5 flèches, ça c'est bon. Et une cabane de barbares, je m'en fous complet. Alors sinon, celui-là, qu'est-ce qu'il obtient? 49 d'or, oh, c'est bon ça. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 50, mais j'ai jamais eu. Enfin, je crois pas. Bon, donc un chevalier, pas mal. Et 5 archers, bah ça fait plaisir, bah voilà. Ça c'est nickel, tu vois, là ça fait plaisir, tu vois. 5 archers, nanana, tranquillou. Ouais, voilà, donc je sais pas compter combien il y a d'or, c'est pas grave. Donc 5 chevaliers, bah, encore une fois, ça fait plaisir. Et une mousquetaire. Et là, ça fait plaisir. Mais attends, mais carrément, une mousquetaire, quoi. Ça, c'est de la balle, la mousquetaire. 149 d'or, bah, c'est pas mal. 3 gargouilles. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 4 bombardiers. Là aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, ça, par contre, je m'en fous. Allez, dégage. Allez, là, tu me donnes une épique. Non, non. Ah, une requête, carrément. Bah, carrément. Gros doigt d'honneur, mon petit. Non, mais attends, il est ouf, lui, avec ses roquettes de merde, là. Mais. Non mais regarde ça, les roquettes à la con là. Ouais, merde, attends. Ouais, des roquettes. Ouais, c'est trop bien. C'est de la merde, les roquettes. C'est pareil pour les trucs de feu de merde là. Enfin bon, on s'en fout un peu. Ah là là, bon, on va attaquer. On va essayer de se gagner ce coffre à couronne. Et puis, dans le lot des attaques, on va en prendre deux, comme d'habitude. Et puis voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, cette fois-ci, on va tout défoncer. Malgré une égalité de merde juste avant, on va tout défoncer. Non, mais on va tout défoncer. Non, 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 non. Allez, hop, on envoie les petits archers. Voilà, on envoie les petits gobelins à lance. On envoie le petit squelette qui arrive à temps. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est d'une beauté. Non, mais c'est d'une beauté, je m'en bats les couilles. C'est magnifique. Regarde le ballon qui va se faire niquer. Regarde la tour qu'on est en train de niquer. Oh là là, mais c'est limite, ça va être du one shot. Hein. C'est limite, ça va être du one shot. Oh! Mais regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là, je vous ai tout baisé. Oh là là, je vous ai tout baisé. Oh là là là. Mais regardez-moi ça. Le mec, il s'est pas attaqué. Oh, mais j'ai fait limite du one shot. J'ai fait limite du one shot. Oh putain, quoi. Oh là là, regarde, il reste 3 archers et tout. Oh putain. Mais c'est un truc de malade. Non, mais là, c'est un truc de. Oh, mais. Le mec ne sait vraiment pas défendre et pas attaquer non plus. Le gars a vraiment cru qu'avec son. Quand tu sais son truc à lance là, le prince là, je sais pas quoi là, il a vraiment cru qu'il allait me niquer quoi. Moi j'ai foutu juste un petit squelette pour un élixir et boum! Et franchement, les 4 squelettes comme ça là, c'est une pure tuerie. Tu peux dire ce que tu veux, ils ont beau avoir pas beaucoup de vie ou quoi que ce soit, c'est une pure tuerie, ça défend tout chez tout. Bon, pas tout parce que bon, il y a des trucs qui sont niqués en 2 secondes chrono, genre la sorcière, pouf, hop là, salut. Mais bon, malgré tout, ça défend très très bien. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va tout simplement attaquer encore quelques fois et on va prendre une autre attaque. Et puis voilà, allez c'est parti. Allez c'est parti Israël. Mais non, je m'appelle Israël 3, espèce de débile. Je m'en bats les couilles, ferme ta gueule. Allez c'est parti. Voilà donc pierre tombale. Après une pierre tombale, bon on va mettre. Et bon on va rien mettre, tout simplement. On va juste mettre quelques archers là, putain mais t'es sérieux gros. Mais c'est dégueulasse. Bon... Je sens qu'on va mettre une petite tora bombe. Ah ouais, le gars, il a même réussi à mettre ça, mais carrément. Mais...
Pourquoi pas, c'est le kiff total de toute façon, hein, on adore ça nous. Putain, se faire gruger comme ça. Allez, allez, niquez-le, niquez-le. Un maximum s'il vous plaît, merci. Voilà, bim, le mec il a fait que de la merde. Mais alors, mais que, il a vraiment cru qu'il allait me niquer avec ça quoi. Enfin, c'est une compo d'attaque. Mais à chier sa mère la pute. Non mais le mec c'est vraiment pas attaqué. Je vais gagner mais easy mon gars. Après ça dépend ce qu'il a comme troupe. Mais à mon avis je pense que je vais gagner easy quoi. Bon il commence à... Putain pourquoi j'ai... Je savais qu'il fallait que je le sorte mes flèches et moi qu'est-ce que je fais. Y'a pas de soucis. Je mets ma petite pierre tombale. Putain je suis complètement con, c'est un truc de fou. Mais bon c'est pas très grave. On va rattraper ce que j'ai fait. Bon à la limite on va pas mettre maintenant le truc. On va attendre qu'elle elle vienne parce qu'elle elle est très chiante à défendre. Ah quoique la tour à bombe qui... Ouais bon, tour à bombe qui fait pas grand chose non plus. Voilà, hop les petits squelettes, tranquille. Et voilà. Attends, attends, juste comme ça. Allez, arrête de laguer, ce serait gentil. Merci beaucoup. Voilà, sympathique. T'as vu les connards là, les gobelins qui quittent le combat avant même d'avoir fini le... Avant même d'avoir tué la troupe et tout. Ça, ça m'énerve, franchement ça compte vraiment en dessous les seins. C'est un truc de fou quoi. Vas-y, vas-y. On voit ton PK, mon gars. Et moi, je te défonce. Ah ouais, non, mais tueur. Je vais le défoncer. Je m'en bats les couilles. Même pas, je défends quoi que ce soit. Bon, je défends un petit peu quand même. Parce que bon, je suis pas con non plus. Voilà, nickel. Allez, nique lui sa tour, gros. Nique lui sa tout tour. Nique lui sa tout tour. Allez, allez, nique lui sa tour. Mais ouais, mais c'est bon ça. Mais c'est pas bon ça. Bah, si, carrément. Allez c'est parti, ça va me permettre de mettre encore plus de troupes mon petit, gèle les moins bien et défends pas avec, c'est parfait. Eh franchement, il y en a, il savent vraiment pas attaquer gros. Mais tu mets pas un sort de gel et tu défends rien du tout après, c'est complètement con. C'est complètement con. Et hop là, il a pas compris la leçon le mec, et des petits squelettes et zoup. Oh mon gars, c'est magnifique. Ah je les défonce, eh je savais que le mec j'allais le défonce. Le mec il sait pas attaquer. Le mec, oh le mec fou. Le mec quand même, déjà il faut un squelette géant qui fait du 1 par 1, donc qui est très lent. Après il faut un PK, un vrai PK qui coûte 7, donc en tout ça fait, je sais pas moi, dans les un peu plus de 10 d'élixir. Ça doit faire dans les 12 ou je sais pas combien, c'est combien un squelette, bah, je sais même pas combien c'est. C'est 6, ça fait carrément 13 d'élixir à dépenser pour avoir des trucs qui one shot. Donc à part si le mec en face il a du guerrier... De la je sais pas quoi faire, des grosses troupes quand même. À part si le mec en face il a par exemple je sais pas moi, là c'est mousquetaire, il a ça là ici là. Voilà, à la limite il a ça. Bon, ou il a ça forcément, voilà, ça nique forcément. Mais bon, moi j'avais pas ça du tout, j'avais des petites troupes de merde. Enfin bon, le mec complètement con. Après le mec il me sort un sort de gel. Le truc, le mec il défend rien du tout, il s'en bat les couilles. Hein. Le mec il met juste un sort de gel comme ça, il défend rien du tout, il s'en bat les couilles. Ça c'est complètement débile, ça sert à rien de mettre un sort de gel comme ça. Enfin bon, en attendant le mec s'est pas attaqué, tant mieux pour moi. J'ai pu faire 3 étoiles et donc du coup on se dit à tout de suite pour ouvrir le coffre. Allez c'est parti. Ouais c'est parti. Oh mon gars t'as une fireball, mais je crois que je pète un câble mon gars. T'as pas intérêt à avoir une fireball ou un missile ou je sais pas quoi. Tu vas voir mon gars, mais attends. Ça va pas le faire mon gars, si t'as quoi que ce soit comme ça. Je crois que mon gars je vais péter un câble. Oui, voilà, il y a de l'instance, on s'en bat les couilles. Ok, on met les petits machins. Comment ça aïe? Il y a aïe de rien du tout, fais pas yesh, mon gars. Commence pas à dire aïe. On s'en bat les steaks, ok. T'as très bien défendu, c'est très bien. T'as l'air d'être plutôt fort en défense, mais on s'en bat les steaks, ok. Voilà. Ta vie, moi, ça m'intéresse pas, donc ferme ta gueule. Non, mais je te le dis comme ça, clairement, voilà. Hein, moi, je suis là, c'est pour gagner, malheureusement. Voilà, c'est comme ça, je dois gagner, donc fais pas yesh. Bon. Ok. Amini, on va faire semblant d'attaquer de droite, je pense. Est-ce qu'il va attaquer de droite, du coup? Ça pourrait être pratique. Bon, il a l'air d'attaquer de droite. Est-ce qu'il va vraiment attaquer de droite, ça? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Pa, la, la, la. Ça, je ne sais pas. La, je le défonce. Je le défonce. Oh là là, je le défonce. Oh, mais regarde ça. Oh, mouah. Ah, c'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. On va continuer. Non, mais attends, on va pas s'arrêter là. T'es ouf, toi. On est en si bon chemin. On va pas s'arrêter là. On va préparer les flèches parce que je le sens qu'il va sortir ses minions. C'est pas pourquoi, je le sens. Il va sortir ses minions. Les petits minions. Non, il sort pas ses minions.
Il s'en passe mignon, il s'en bat les couilles. Enfin, je sais pas ce qu'il a en fait sur lui, mais en tout cas, il s'en bat les couilles, le mec. Hein. Il faut rien du tout. Allez, tu sors des mignons ou quoi que ce soit, en gros. Pff, oh là là, c'est quoi ces vieilles troupes que tu m'as sorties? Oh merde, désolé. Oh, je suis désolé. Oh, je suis vraiment désolé. Mais j'ai pas fait exprès, gros. Oh merde. Oh putain, je suis un enculé de merde. Bon, il allait perdre de toute façon, avec mes troupes et tout, il allait perdre. Mais bon, malgré tout, quoi, j'ai niqué sa tour quand même avec les flèches, quoi. Putain, je suis vraiment désolé. Bon, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave, mais... Ouais, voilà, désolé, qu'est-ce que je dis. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est... Bah, tout simplement, on va ouvrir le coffre à couronne. Et puis, Et puis voilà quoi, putain, pourquoi je fais pas attention quand je laisse mes flèches moi. Bon, du coup on va ouvrir le coffre à couronne. Allez, c'est parti. En espérant qu'on ait une autre épique. On sait jamais, hein, ça m'est déjà arrivé. 159 d'or, bah c'est pas mal, c'est pas mal. 2800, ouais ça va, on en a quand même pas, on en emmagasine petit à petit. Alors deux gemmes, ouais. Une gobelin lange, je m'en bats les steaks. 7 horde de gobelin, je m'en bats les steaks. Non mais attends, non, la horde de gobelin par contre c'était bien, c'est, ouais. Donc 10 flèches, ça c'est pas mal. Là ça fait plaisir. Et là au moins un petit je sais pas moi, un cochon. Putain, vas-y là, mais c'est de la merde. Cabane barbare, bah, c'est de la merde la cabane de barbare quoi. Qui c'est qui utilise ça de nos jours, hein, à part tout le monde. Voilà, y'a personne quoi. Non mais bon. Enfin bon, c'est pas très grave. Alors ce qu'on va faire, c'est simplement on va... non, c'est pas ici, hein. Ok, ok. Le 3 mai, d'accord, donc c'est quand? C'est demain. D'accord, c'est demain. Ok, nickel. Bon. Et ben voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, et puis voilà, donc c'était plutôt pas mal. Tranquille, on a fait des bonnes attaques, on a fait un bon pack opening. Malheureusement, là, le mec, je les défonce avec des flèches. Bon, c'est pas très... C'est pas... Pas bon, extrêmement grave, mais bon, ça fait un peu chier, quoi. Voilà, donc du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde, ciao.